Donc Antoine Camus, je m'occupe au sein de Minalogic de la communauté cybersécurité. On est un pôle de compétitivité, donc on est là pour faire que des groupes de travail s'opèrent, que des bonnes idées puissent s'opérer entre des laboratoires, des petites structures ou des grands groupes, et faire que ce groupe de travail, ce groupe de collaboration puisse faire émerger des idées, des ruptures technologiques, et que derrière on trouve les géants de demain, parce qu'il faut qu'en région, les talents puissent sortir de terre et se valoriser. Alors c'est d'écouter, avant tout d'écouter, de comprendre, de sentir, de mettre les gens en relation, parce que je crois beaucoup à l'intelligence collective. Il faut être constamment en train de se remettre en question, être capable de travailler en équipe. Donc voilà, mon travail est un travail de liant en fait. Et après, il y a aussi un gros travail de compréhension des projets, donc on les regarde, on challenge beaucoup les porteurs de projets, parce que parfois on a des gens très techniques qui n'ont pas vraiment une stratégie, ou des grands stratèges, mais qui n'ont pas toujours tous les fondamentaux de la constitution technique d'un projet. Donc on essaye de faire que toutes ces complémentarités de compétences puissent s'opérer. Voilà. Résilience, ouverture, créativité, enthousiasme, capacité de travailler en équipe. La cyber est encore une science un peu molle. Il y a encore énormément de choses à opérer. On le voit souvent sur le côté un peu menace. Moi, je vois surtout sur le côté opportunité. Il y a absolument tout à créer, il y a tout à faire. Donc, il faut être l'enthousiasme, travailler en équipe et puis se remettre en question tout le temps parce que c'est un marché qui évolue énormément. Donc, il y a des ouvertures d'esprit parce qu'il y a 18 métiers aujourd'hui, il y en aura peut-être 35 demain, il y en aura 40. Donc, c'est être capable de à chaque fois de comprendre, de s'écouter et d'écouter les autres. Voilà.